Les premières minutes et les joueurs vont devoir se méfier car ce trio arbitral a la réputation de ne rien laisser passer. C'est bien dans ce stade, on sent vraiment vibrer la foule autour du terrain. Il y a beaucoup d'espoir sur cette rencontre. J'espère qu'on ne sera pas déçus. Il y a du but dans l'air. Même si le tir n'est pas cadré, c'est pas grave. L'important, c'est de s'installer dans le cas adverse, cette entrée de match, et de les obliger à défendre. Ils peuvent construire quelque chose. Et c'est dégagé. Une frappe à travers la défense. Il tente. Ça n'échappe pas au gardien. La balle change de propriétaire. Joli dédoublement. Il est vraiment très loin. C'est beaucoup trop loin du poteau droit. Et ouais, c'est mal défendu. Il faut monter plutôt sur le porteur du ballon. Sinon, tu laisses l'espace et le joueur, il peut frapper. Il est hors jeu, c'est une évidence. Encore une belle occasion. C'est une frappe. Il tente sa chance, mais il a manqué le cadre. C'est vraiment dommage que ce genre de centre ne trouve pas preneur. On est parti pour un drôle de compte. Superbe défense ici. Il renvoie le ballon au portier. Voilà un joli coup de tête. Bien joué de la part du défenseur. Ce contre peut amener très loin. Ils peuvent construire quelque chose. C'est dommage, mais il y a bien une position d'enjeu. Allez, ça doit aller au fond. Le goal la bloque. Bien joué de la part de la défense. Attention le défenseur, il faut revenir. Ederson. Bonne sortie du gardien. Oh, ce ballon va remonter très vite. C'est bien vu, c'est important d'écarter le jeu. La défense parvient tant bien que mal à écarter. Il déborde sur l'aile. Le ballon est toujours pour eux.
Il tire. But ! Très bonne entame de match. C'est toujours important de marquer au début. Et vu sa position, il n'y a qu'avec le pied droit qu'il pouvait frapper. Il mène grâce à ce but. Ah, voilà un but qui arrive bien et ça pourrait bien ouvrir le jeu. Ça va sûrement stimuler l'adversaire à tenter d'en rattraper un avant la pause. C'est coup si c'est. Ils reprennent le ballon. Ça peut être dangereux. Il peut marquer. Le ballon passe au-dessus, c'est bien trop. Il avait pourtant fait le plus dur en récupérant le ballon et en se mettant en bonne position. Mais avec cette occasion ratée, il peut finir dans le bêtisier. Et c'est au fond! On ne les arrête plus! Incroyable! Quelle belle série nous vivons en ce moment! Et ce but magnifique marqué de si loin va faire le tour de la planète. Joli doublé! J'en connais un au bord de la touche qui doit être satisfait. -0, c'est vraiment une bonne avance. Ils ont marqué le but qu'ils voulaient. Là, ils ont fait le break. Ça y est, c'est fait. Mais ils doivent quand même encore garder le pied sur l'accélérateur et faire attention à ce qu'ils ne se déconcentrent pas, surtout à l'arrière. Joli duel, le ballon est gagné. Elle est belle la construction, il faut jouer sur les côtés. Il n'y a rien à dire, c'est une faute intentionnelle. 15 minutes se sont écoulées. Il a mis le pied sur le ballon. Au-dessus de la défense. Attention au positionnement, il est hors-jeu. On joue depuis un quart d'heure dans la première mi-temps. Le ballon est pour l'autre équipe. Le ballon subtilisé par l'adversaire. Nouvelle occasion de centrer. C'est très loin du poteau droit. Vous voyez, ça c'est vraiment le genre de ballon qui surprend tout le monde. Ça passe à 200 à l'heure et on n'est jamais là pour mettre le ballon quand il faut. Un ballon repassé en arrière. Ils ont littéralement confisqué le ballon. Franchement, c'est bien joué. Il tente sa chance. Ballon dévissé, il doit encore s'appliquer. C'est terrible parce que le ballon était vraiment bien donné. C'était une transversale parfaite. Elle n'est pas arrivée au moment où il fallait, quand il le voulait, mais ça aurait pu faire un but splendide.
Ah, ça, la défense, c'est un sacré art, hein. Ouh là là, ça peut être fatal. Encore une belle occasion. Quelle frappe! Le tir est vicieux mais bien capté par le gardien. Il veut marquer. Pas de souci pour le gardien sur cette action. C'est impossible de marquer de là, l'angle est trop fermé. Ederson. Ils repartent de l'avant, c'est la seule solution pour espérer que cette rencontre ne soit pas encore terminée. Il est rentré dans la surface. Ah là, il n'a pas de chance, c'est si près du but. Tu frappes le poteau, des fois ça rentre, là c'est pas rentré. Ils peuvent construire quelque chose. Il peut marquer. Ça passe au-dessus, bien trop au-dessus. Et dans ce genre de centre, fort devant le but comme ça, il manque toujours en rien pour le mettre au fond. Il aurait fallu qu'il chausse d'une pointure de plus et c'était bon. Belle interception qui permet de reprendre le contrôle du jeu. Une tête énergique. Que va-t-il faire maintenant? Quelle belle demi-volée! C'était une balle de but, mais il faut être précis. Oh, ça, c'est une reprise de volée. Hein. Le geste parfait. Dommage qu'elle soit passée à côté. Elle est belle, cette passe. Tête plongeante. Le gardien a le jeu en main. Ederson. Oh, que ça va partir vite. Et c'est peut-être l'occasion d'ajouter un nouveau but. C'est facilement intercepté. Bientôt une demi-heure de jeu dans la première mi-temps. Allez, bien joué. Ils avancent bien sur l'aile. Il décoche un tir. Il a touché des points, mais ne l'a pas capté vraiment. Corner. Un ballon fouetté vers le but. Nouvelle occasion de centrer. Aucune difficulté pour le goal. Ederson.
Encore 15 minutes avant le coup de sifflet de la mi-temps. Il vient renforcer ses attaquants. Encore une belle occasion. C'est dégagé. Ils n'ont toujours pas perdu le ballon. Il a trouvé le décalage. Il l'a mal capté. Le gardien a dévié la balle, corner. Il passe sous le nez du gardien. C'est un début de match exceptionnel, le troisième but. Christian, c'est une belle rencontre à laquelle nous assistons. Ah, le but de la tête nous a montré quand même que le foot, ça ne se jouait pas qu'avec les pieds. Et qu'avoir la grosse tête, ça pouvait toujours servir. Trois buts. Quelle journée pour cet attaquant. Franchement, il sait tout faire. À 0, et franchement ça roule tout seul. Ah là, ils sont complètement en train de se balader. Des occasions en veux-tu en voilà. Là, ils semblent concentrés, les affaires sont faites. Le seul danger, c'est d'être trop confiant. Avec cette équipe-là, à mon avis, ça risque pas d'arriver. Il a mis le pied sur le ballon. Ederson. Ce score les a complètement libérés et maintenant ils font tourner le ballon. Non, le ballon a été intercepté. Allez, on joue, dit l'arbitre. Nouvelle occasion de centrer. Du pied, dégagement sûr. Il a osé. Arrêt du gardien. Bien joué, la demi-volée. C'est une bonne touche, mais il faut s'appliquer. Ça chauffe dans la surface. Le gardien peut remercier son défenseur, assez efficace. Bonne progression dans ce couloir. Dans la surface. Il faut savoir jouer sur les côtés pour centrer. Il frappe au but. Encore un but, c'est le quatrième. Incroyable, c'est une correction. Et là, il s'est pas posé de questions. Dès que le ballon est arrivé, il a frappé comme un sourd sur le côté droit et le gardien n'y a vu que du feu. Et en voilà 4, ils sont vraiment dangereux devant. Là, la défense, elle a pris complètement le bouillon. C'est toute l'équipe qui est passée à travers dans ce match. Je pense qu'ils ne se contenteront pas de limiter les dégâts. Le jeu est brutal, coup franc. Carton jaune, à mon avis, c'est un peu sévère, mais l'arbitre a voulu montrer qui était le patron.
L'entraîneur cherche à remanier l'équipe. Bon, qui va le tirer? Ça va peut-être rentrer. Joli dédoublement. Il ne reste plus que 5 minutes à jouer avant la pause. Sur le plan tactique, c'est pas mal joué. Maintenant, il faut vraiment trouver la solution. Ils n'ont pas souvent le ballon, mais toutes les occasions sont bonnes à jouer. Sur le plan tactique, le ballon circule bien. Vont-ils déclencher une attaque? On va le savoir dans quelques secondes. Ça ne fonctionne pas. C'est Koussissé. Cette passe en profondeur n'a rien donné. Elle est dégagée. Et la faute est évidente. C'est une très jolie passe. Il décoche un tir. Juste à côté du montant droit. Et là, le gardien, il est en train de bouger ses défenseurs. Il a raison. Hein. Si on lui laisse de l'espace, il va frapper tout le long du match. Le ballon subtilisé par l'adversaire. Cela manque de précision. Même si ça ne réussit pas tous les jours, c'est les genres de frappe qu'il faut tenter. Au moins, ça fait reculer la défense. Une très grande ouverture. Allez, il y est presque. Il tire. Que va-t-il faire maintenant? Encore une occasion de centrer. Hopper. Une seule minute d'arrêt de jeu. Dégagement. Oh, un défenseur à l'attaque. Allez, c'est l'heure de la pause. On se retrouve dans quelques secondes. C'est reparti. On va voir si les joueurs ont écouté leur entraîneur. L'équipe mène. L'entraîneur devait être satisfait de ses joueurs. Il n'a fait aucun changement. C'est une véritable passe à 10, un cours de football. Les défenseurs sont... Le portier détourne un corner. Le ballon est travaillé vers le but. Une nouvelle occasion et peut-être cette fois un but à la clé. C'est très haut. Extraordinaire coup de tête. Joli dédoublement. Il a tout simplement manqué de précision sur cette action. Et juste au moment où il allait marquer, il a complètement dévissé son tir. Ah, je peux vous dire, le connaissant, qu'il ne va pas être content de lui, surtout de ses pieds. Hopper. Quel tir! Ballon dévissé, il doit encore s'appliquer. Ah, c'était bien d'essayer une frappe comme ça, mais bon, c'est le genre de frappe qu'on ne marque pas tous les jours.
Avec un peu de chance, ça peut aller au fond. Long ballon aérien. Vous obtenez une touche dans le camp opposé. Dans la surface de réparation. Ils peuvent construire quelque chose. Pas de problème pour le gardien. C'est bien joué en profondeur sur le côté. La défense est solide. Ils ont passé les lignes arrière. Bien joué, l'attaque ne donnera rien. C'est coup si c'est. Ederson. Il faut qu'il passe un bon ballon. Il peut frapper. C'était pas loin, ça frôle le poteau gauche. Oh, il n'y a même pas la place pour passer une allumette. En jeu, il faut surveiller le placement. Dans l'intervalle. C'est dégagé. Le joueur frappe. Le goal la bloque. On est parti pour un drôle de compte. On joue en percussion sur ce flanc. Il déclenche une frappe. C'est beaucoup trop loin du poteau droit. Et pour marquer un but dans un angle fermé comme ça, il faut être un magicien. C'est coup si c'est. Non, le ballon a été intercepté. Très bonne inspiration sur cette passe. Bon dégagement. Très bonne maîtrise défensive. Oh, une passe en profondeur dangereuse. C'est vraiment loin d'être cadré et c'est le moins que l'on puisse dire. Ça peut paraître facile, mais dans un duel, c'est souvent le gardien qui fait la différence. Un long ballon vers l'avant. Il peut frapper ici. Aïe, 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 c'est un véritable déluge de but. Hein. Vous voyez, Christian, quand l'attaquant comme là fait le geste parfait et que le ballon trouve cet angle, si le gardien arrive déjà à le toucher, c'est qu'il est international.
Comme le score l'indique, c'est vraiment un super résultat. Et s'il continue à marquer à chaque attaque, je pense qu'on va avoir un score de rugby à la fin du match. Et il est... Bonne maîtrise du goal. Il n'y a rien à dire, ils ont mis le pied sur le ballon. Celui-ci circule bien, on va peut-être voir de belles choses. Hopper, c'est coup si c'est. On joue déjà depuis 15 minutes dans la seconde période. Ballon renvoyé en arrière. Hopper. Nouvelle occasion de centrer. Attention, il frappe. Le gardien a bien vu que le ballon passait à droite. Bon, malgré son pied fada, il a quand même raté le cadre de peu. Il est bien donné ce ballon en profondeur. Le tir est décoché. Bien joué! Une nouvelle fois bien joué! Ça tourne vraiment à la démonstration aujourd'hui. Il y a tout dans ce but et à droite des cages. La puissance, la précision, la technique, en fait tout ce que les gardiens n'aiment pas. Un hat-trick, c'était déjà merveilleux, mais alors 4 buts, c'est vraiment le Pérou. Quand on est spectateur de ce genre de match, c'est un vrai régal. Le ballon circule bien, mais mettez-vous à la place des adversaires. Il reprend le ballon maintenant. Les défenseurs semblent un peu perdus. Les tacles ne servent à rien. Attention, ça peut être dangereux. C'est une très jolie passe. Trajectoire coupée par le défenseur. Le danger est écarté. Directement dans les gants du portier. Ça peut donner quelque chose. Que va-t-il faire? Bien tenté la reprise. Oui, encore un but. Voilà, c'est un festival d'occasions et de ballons qui terminent au fond des filets. Quel plaisir! Malgré tout ce que l'on a vu ce soir sur ce match, le geste de la rencontre, c'est quand même ce but de voler. Tu sais, Christian, demain dans mon jardin, eh bien, on essaye de faire la même chose. Toi, tu centres et moi, je reprends. Ce doublé est mérité. Ce joueur est vraiment au top de sa forme. La finition est superbe. Hopper.
Un ballon repassé en arrière. Ils peuvent construire quelque chose. Ils tentent. Chandelle, il l'écarte du point. Cette passe peut surprendre la défense. Avec un peu de chance, ça peut aller au fond. Une défense intraitable, superbe. C'est coup si c'est. Ça peut faire mal sur cette rentrée en touche. Il a dégagé. La balle change de propriétaire. Il ne peut pas la rater. Oh là 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 là, quelle démonstration. C'est encore au fond du filet, c'est bien. Et ça, c'est une frappe sensationnelle pour un joueur sensationnel avec des talents sensationnels. Place maintenant une touche. Nous nous approchons du dernier quart d'heure. Encore une occasion de centrer. L'arbitre siffle, il n'a pas le choix. La sanction est logique, carton jaune selon l'arbitre, mais franchement, il n'y a rien à dire. Si près du but, il pourrait essayer de marquer. C'est dégagé. Il l'emporte dans ses duels aériens. C'est pas idiot de conserver le ballon en milieu de terrain. Ça allège vraiment le travail des défenseurs. Bien joué. Joli duel, le ballon est gagné. Bonne interception, on peut relancer. Et c'est le premier remplacement de la partie pour cette équipe. C'est vrai qu'il n'était pas dans un grand jour aujourd'hui. Son remplacement me paraît normal. Il est pas mal ce ballon. C'est une faute qu'il faut attendre. Nous entrons dans le dernier quart d'heure. C'est bien défendu, le danger est repoussé. Il y a de la place. Peut-il marquer? Il tire au-dessus de la barre transversale, sans danger. C'est vraiment dommage, quand on connaît le joueur, il était là à point, et sur un centre parfait comme il a reçu, il aurait dû marquer. Oh.
Incroyable, certains spectateurs quittent déjà le stade. Ils ne supportent pas cette humiliation suprême. Quand on est spectateur de ce genre de match, c'est un vrai régal. Le ballon circule bien, mais mettez-vous à la place des adversaires. Ils peuvent construire quelque chose. Ça manque un petit peu de créativité devant, autant frapper de loin. Le contre, c'est une arme redoutable. Quel coup! Le ballon est attrapé par le gardien. Encore une occasion de centrer. C'est le défenseur qui a le dernier mot. C'est le deuxième changement de ce côté. Même s'il gagne, l'entraîneur fait du changement. C'est peut-être pour amener un petit peu de fraîcheur à son groupe. Ils peuvent construire quelque chose. L'action est neutralisée et nous aurons un corner. Ce ballon est bien haut. Et il tente de marquer. De la défense sur le côté. Oliège. Oui, encore un but. Voilà, c'est un festival d'occasions et de ballons qui terminent au fond des filets. Quel plaisir. Dès ce premier ballon, vous avez vu, il marque un but. Peut-être que l'adversaire tout simplement ne l'a pas vu rentrer sur le terrain. L'entraîneur apporte quelques améliorations. Il manque vraiment de coordination. Encore une occasion de centrer. Corner, excellent travail de pressing de la part de la défense. C'est très haut. Long dégagement en avant. Encore une belle occasion. Bon centre, mais bien dégagé de la tête. Il est rentré dans la surface. C'était juste à côté du poteau gauche. C'est impossible de marquer de là, l'angle est trop fermé. Mais non, il faut jouer le ballon en coup franc. Quelle belle demi-volée! Ballon repoussé des points, corner. Il arrive devant le nez du gardien. Oulala, relance calamiteuse! Pourront-ils tenir de cette façon-là? Ils peuvent construire quelque chose. Allez, il faut aller au bout! Oh, il tente le lob! Frappe puissante mais sans précision. Ouais, c'était audacieux ce lob-là. C'est vrai que ça n'a pas réussi. Alors, peut-être qu'il avait le corps un petit peu décalé au niveau de sa frappe, mais c'était sympa de le voir. Une minute d'arrêt de jeu indique le tableau. La balle n'est pas passée. On ne peut pas discuter avec l'arbitre. Coup franc mérité. Ça ne va pas être facile d'ici.
Il entre balle au pied dans les 16 mètres. C'est terminé. C'est l'heure de regagner les vestiaires. À des matchs comme ça, on en redemande. Hein. Quelle attaque de feu! Franchement, il me tape